Plus d'un Français sur cinq souffre d'allergie, c'est-à-dire d'un dérèglement du système immunitaire. L'allergie peut se manifester entre autres par des éternuements, une conjonctivite ou des démangeaisons comme dans le cas du rhume des foins. L'agent responsable du déclenchement d'une réaction allergique est appelé un allergène. Tout ce qui nous entoure peut se comporter comme un allergène. Les pollens, par exemple, sont responsables d'une recrudescence des allergies au printemps, période de leur dispersion, en particulier lors des chaudes journées ensoleillées. Ce sont les gamètes mâles libérés par les étamines des fleurs. Observons des grains de pollen au microscope à différents grossissements. Leur surface présente des aspérités caractéristiques de l'espèce végétale. Les tapis et les literies offrent aux acariens, également source d'allergènes, des conditions de température et d'humidité favorables. Les acariens sont de minuscules animaux qui se nourrissent de squames humaines. Ils sont très prolifiques. Un seul couple peut produire plus de 20 000 descendants par mois. On observe la présence de quatre paires de pattes et d'une paire de chélicères. Ce sont des arachnides. Nos aliments sont également source d'allergènes. Et la salive de nos animaux familiers déclenchent parfois une réaction allergique. Des moisissures comme le pénicillium sont aussi allergisantes. Observons ici leurs filaments et leurs spores. La réaction allergique débute par le contact de l'allergène avec certains globules blancs du sang. Lors du premier contact, l'allergène ou antigène, ici en jaune, provoque la production d'anticorps spécifiques ou immunoglobuline E, ici en bleu. Ces anticorps se forment en trop grande quantité dans le sang. Ils se fixent alors sur des récepteurs spécifiques à la surface de globules blancs appelés granulocytes. Le sujet est ainsi sensibilisé, mais n'a pas encore eu de réaction allergique. Lors du deuxième contact avec le même allergène, celui-ci se fixe sur les immunoglobulines E. Cela déclenche une réaction en chaîne.
Il y a libération par les granulocytes d'une substance, l'histamine, responsable des symptômes de la maladie. Pour soigner un sujet allergique, il faut déterminer à quel allergène il est sensible. Dans un premier temps, les pollens, par exemple, sont récoltés au printemps par aspiration. Les plantes à fleurs peuvent être également séchées en serre pour la collecte de leur pollen. Les pollens sont purifiés par tamisage, puis contrôlés. On extrait ensuite les allergènes du pollen dans un diluant spécifique. Après filtration, une solution mère est obtenue. Cette solution permettra de tester le patient. Le test effectué ici comporte une solution référence positive, un extrait 3 graminé, un extrait 5 graminé et une solution référence négative. Une goutte de chaque solution est déposée par le médecin sur le bras du patient. Effectue ensuite une scarification dans chaque goutte, avec chaque fois une nouvelle pointe stérile. Deux minutes après, les gouttes sont essuyées. Des rougeurs ou érythèmes apparaissent peu à peu, avec au centre de petits gonflements ou papules qui caractérisent la réaction allergique. Au bout de 20 minutes, comparons les différentes réactions. Les papules sont laissées en blanc et les érythèmes sont soulignés en couleur. La solution référence positive montre une papule importante. La patiente réagit à l'extrait 3 graminé. Il en est de même avec l'extrait 5 graminé.
Notre patiente est donc allergique aux graminées testées. La solution référence négative, elle, présente un simple érythème. Un autre sujet est soumis au même test. Seule la solution référence positive induit une réaction. Le sujet n'est donc pas allergique aux graminées testées. Une fois l'allergène diagnostiqué, un traitement de désensibilisation peut être initialisé. On administre au patient des microdoses croissantes d'allergènes afin de diminuer son hypersensibilité. Dès réception au laboratoire, la prescription du médecin est transmise au service production. La solution mère est diluée jusqu'à obtention de la concentration prescrite. Le médicament est conditionné, contrôlé. Chaque couleur de bouchon représente une dilution donnée. Les préparations sous-cutanées sont injectées sous la peau du bras. D'autres préparations peuvent être administrées au moyen d'un compte-goutte sous la langue. Lutter contre l'allergène implique également de suivre une hygiène domestique limitant l'exposition à l'agresseur. Contre les acariens, il faut aspirer et aérer souvent les tapis et les literies, utiliser des acaricides et des housses de protection hermétiques.